Les choisis sont dangereux. Tu peux rester comme ça. Tu as ton magasin. Tu fermes 3 jours. Le quatrième jour, tu viens ouvrir. Tu vends le jour là, l'argent que tu aurais pu avoir en 2 semaines d'ouverture. Après, on te dit, bon, voyage, va faire 1 semaine dans tel endroit. Quand tu as voyagé là, hein, tu arrives là-bas. On t'appelle, on commande quelque chose. Tu envoies seulement quelqu'un, il peut ouvrir le magasin, il prend, il donne à la personne. La personne part, on ferme le magasin. N'essaie pas de comprendre un choisi. N'essaie pas d'expliquer le choisi à quelqu'un. Comprenez-vous? Tu cherches la maison, tu visites, tu arrives chez un monsieur là. J'ai un bailleur comme ça, non. Je n'aimais même pour payer son loyer, j'ai payé même en avance parce que je ne voulais pas avoir de contact par message avec l'homme là. Il avait une énergie que je n'aimais pas. Et le premier jour, j'ai gardé sa maison parce que j'étais fatiguée de chercher la maison. J'étais fatiguée. Quand je suis arrivée chez lui, j'ai pris la maison. J'ai pris. Je paye, je paye, je paye, je venais faire 7 jours par mois. Parfois, il fait même 1 mois et 2 semaines, je ne viens pas. Après, je viens, il fait 10 jours, je pars. Je fais encore 1 mois, je reviens. Un jour, je lui dis, j'ai une toilette ici à la maison qui s'est gâtée depuis que je suis entrée. Il n'est jamais arrangé. Ce n'est pas moi qui ai gâté. Tu n'as pas un plombier, il faut que tu arranges. Il me dit qu'il n'arrange pas. Et il avait toujours cette énergie-là. Ah, ne percez pas mon mur. Ne faites pas comme ça là. Il n'y a pas la fibre chez lui. Tous les immeubles à Abidjan, il y a la fibre. Orange dit que c'est gratuit pour fibrer l'immeuble. Il dit qu'il ne veut pas. Je dois encore payer les gars d'Orange pour qu'on fasse des acrobaties pour que ça entre. Le jour où je payais ça, justement, il dit que je vais chop seulement et boire l'eau. Le jour où il a dit que oh, il n'arrange pas le pot. Il dit que je déménage, monsieur. Ça m'a élargi encore plus mon champ d'action. Le choisi, tu dois comprendre que quand ça ne colle pas avec quelqu'un, c'est pour ça que je suis très, je prétends, sauf qu'on est en rang devant la police pour aller, on dit filmez-vous. Voilà le seul moment de ma vie où je prétends, je suis. Je n'aime pas les procédures, je n'aime pas oh, il faut venir faire du lèche-botte à telle personne pour que, non. Je n'aime pas faire le lèche-pot. Parce qu'il pense que si je te paye un loyer, tu es censé me donner quelque chose qui marche. Le premier terrain que j'achète, c'est parce qu'on m'avait tellement énervé. Je me suis dit qu'il va acheter le terrain, il va construire une chambre sur ça pour dormir. Donc là, monsieur, toi, tu l'as acheté 10 hectares. Et après, le monsieur dit non, ne prends pas 100 mètres, prends plutôt 1000 mètres. Après, il dit non, prends 1 hectare. Je n'ai pas acheté 100 mètres carrés, j'ai acheté 10 hectares. J'avais compris que si je suis fatiguée de la chose de quelqu'un, pourquoi il n'est pas par avoir ma part? Le choisir a une énergie. Et c'est quand tu es le plus challengé, si tu écoutes ce qu'on te dit, tu vas voir que de grandes choses vont sortir de là. Tes meilleures créations, c'est quand tu es challengé. Tu veux ouvrir le magasin avec quelqu'un, tu veux faire lancer une marque avec quelqu'un. La personne veut t'escroquer. Tu te fatigues. Tu dis, mais c'est quoi ça? Tu dis, mais c'est quoi ça? Tu te fâches toi-même. 2 ans plus tard, tu as créé ta marque. Si la personne te laissait toujours prendre chez lui pour revendre, tu n'aurais jamais créé ta marque. Dans cette saison, c'est-à-dire depuis le début du mois d'août, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit vraiment, je sens la voix est beaucoup plus claire dans mon esprit. Beaucoup. Il y a des saisons énergétiques. Il y a des mois qui sont très puissants. Le mois d'août est très chargé. Je ne sais pas si c'est le mois de la Vierge Marie. Je ne sais pas si c'est le mois de Genèse. I don't know. All I know is that. On aura du 8-8-8. On a un événement qui s'appelle Quantum Leap. Ce n'est pas pour tout le monde, s'il vous plaît. Pendant lequel on fait beaucoup de projections astrales, de visualisation, nanana. Une fois par mois. Donc le 8, on en aura un. Les formations spirituelles, c'est bientôt.
ceux qui avaient déjà fait les niveaux 1, niveau 2 avant, je vais lancer formation spirituelle niveau 3. Je crois que je vais mettre ça à 150 000. Ne m'attendez pas à faire, je vais pré-enregistrer, vous allez écouter et on aura des séances collectives. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous, et je dois vous présélectionner pour ce niveau 3, beaucoup d'entre vous, vous arrivez dans mes formations, vous attendez que je vous parle, vous écrivez, je vous parle, vous écrivez. Non, si tu as l'argent à jeter, ne viens pas jeter sa décision. Je ne veux pas. Il ne veut pas le genre là. Fais-moi un don, mais ne viens pas dire que j'ai payé la formation, tu n'étudies pas. Tu veux pas, tu laisses. Tu as compris? Parce que très paresseux spirituellement. Très paresseux. Ça veut dire quoi? Pose à tes guides, ils vont te répondre. Donc ce mois est très chargé. Et il y a des personnes, beaucoup, tu es censé peut-être faire danger. Une de mes filles là, première fois que je la rencontre physiquement, elle vient pour une consultation. Je lui dis, tu dois faire dans le parfum. Tu es une enchanteuse. Ça existe, des enchanteuses, des prêtresses. Tu aimes beaucoup les bougies. Tu aimes beaucoup tout ce qui est antique. Tu aimes ce qui a un rapport avec de l'eau, avec les coris. Tu aimes. Tu aimes. Donc, ce jour-là, elle était en train de vouloir investir dans l'immobilier. Je ne sais pas trop, elle veut investir dans un truc. Hein, je ne sais pas trop quoi. J'ai oublié, mamie. Excuse-moi, mais j'ai oublié. Toi, avant qu'on ne soit sœur, je ne me rappelle plus trop. Mais elle voulait investir dans un truc totalement différent. Elle était bloquée dans un mariage où on la bloquait. Donc, je lui dis, tu es une enchanteuse, mais tu travailles avec l'odorat. Vous savez qu'on vous envoûte avec ça, non? Vous savez, non? L'odeur. The smell of your perfume. Combien de filles sont tombées à cause de l'odeur du gars? Il avait du sauvage. Dior sauvage. Tu es tombée une fois, n'est-ce pas? Ok, continuons. Ce n'était pas toi, ça va. Elle me dit, bon, je vais faire une parfumerie en ligne. Physiquement, c'est trop, je ne peux pas. Et depuis le premier, elle me dit vraiment, elle est bloquée à la maison. Elle a une dimension spirituelle dans laquelle elle s'élève, elle fait souvent des transes et tout ça là. Et dans ça, ses guides lui ont dit, tu dois ouvrir une parfumerie physique. On lui a donné même l'endroit. La ville. Dès qu'on lui a dit, non, je crois qu'on lui a parlé ça avant-hier, on s'est parlé tout à l'heure, elle m'a dit, voilà, j'ai compris, je cherche déjà le local et tout ça là. Oui. Direct. Le business est spirituel, plus qu'il n'est physique. C'est pour ça que les choisis ont de la peine à aller voir les conseillers financiers. Ils ont de la peine à aller, oh, on dit que ça ne marche pas ici. Toi, si tes esprits te disent que c'est ici, là, c'est ici. C'est ici. C'est maintenant. Les flashs que tu as reçus depuis le 1er août, c'est pas au hasard. Les idées que tu reçois. Les flashs. Ils ont beaucoup de visions qu'ils sont en train de donner aux gens actuellement. Beaucoup. Ce n'est pas par hasard. Ils veulent l'obéissance. Je n'ai pas l'argent. Non, pour faire ça, tu sais, moi j'aime bien faire les choses. Laisse tes bêtises. J'aime bien faire quoi? Moi, j'aime faire les choses en grande. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Esther, bonjour. Va faire. On t'a dit de commencer la ligne de vêtements, non? Même si c'est 300 € que tu as, lance avec les 300 euros. Fais trois vêtements. Fais trois vêtements.